Bonsoir à la communauté des Smart Web Workers. Je souhaite encore une très bonne nouvelle pour tous ceux qui sont sur Binance, pour tous ceux qui, comme vous le voyez, ont pu faire leur vérification d'identité et qui ont pu faire le mint de leur Binance à compte barre token. Vous voyez un peu? Voilà, c'est juste cette vidéo-là que je vais vous présenter pour vous montrer l'utilité de cette nouvelle technologie, sinon de cette nouvelle application que Binance a mise en place par rapport à la vérification de ses utilisateurs. Parce qu'avec cette formule de NFT, le BAB token, dont je vous avais fait la vidéo, donc vous allez voir le lien qui s'affiche juste en haut à droite de votre écran. Alors, comment est-ce que cela se passe pour avoir véritablement cette belle opportunité qui s'offre à tous ceux qui ont pu faire le mix de leur BAB token? Avant de poursuivre cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui seront faites sur cette chaîne continuellement, comme cette vidéo qui est en train de passer. N'oubliez pas de liker cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne. Voilà, ces genres de vidéos sont véritablement utiles pour tous ceux qui veulent découvrir de nouvelles choses au niveau de Binance. Alors, comme je vous le disais au début de cette vidéo, vous allez voir un peu que tous ceux qui ont pu faire le mint de leur BAB token, sachez que ça ne s'arrête pas là. Parce que je vous avais expliqué un peu quel était le rôle de cette nouvelle formule de NFT. Voilà, ce sont des NFT d'authentification. Ce sont des tokens pour certifier que vous êtes un utilisateur vérifié de Binance. Et ces tokens-là vous permettent d'être sur beaucoup d'autres plateformes qui vont vous permettre d'avoir certaines opportunités de privilégier au niveau de certaines plateformes par rapport à certains airdrops. Comme vous le voyez sur cette page Twitter de Second Life Real, Second Life est un métavers, un jeu métavers qui est véritablement très innovant. Je ne vais pas parler de Second Life, mais je vais vous parler en ce moment de l'opportunité que Second Life est en train d'offrir à tous ceux qui ont pu faire le mint de leur BAB token. Ok, donc déjà, vous allez voir sur leur page Twitter cette opportunité de giveaway. Voilà, par rapport à tous ceux qui ont les BAB token, tous ceux qui sont les holders de BAB token. Voilà, vous pourrez réclamer des bonus par rapport à ce nouveau projet-là. Ok, donc là, comment vous allez faire? Je veux véritablement que vous bénéficiez de ces airdrops-là. Tous ceux qui ont suivi cette chaîne, tous ceux qui ont pu faire le mint de leur BAB token par rapport à la vidéo que j'avais faite. Ok, dans un premier temps, il faudrait aller sur leur page Twitter dont vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. Une fois que votre BAB token étant déjà minté, ceux qui vont bénéficier de ces airdrops-là, ce sont tous ceux qui ont passé la vérification de leur identité sur Binance, tous ceux qui ont pu faire le mint de leur BAB token. Ensuite, vous aurez quelques liens dans la description pour pouvoir bénéficier de certains airdrops. Parce que ce n'est pas uniquement que sur Second Life. Je vous assure, il y a d'autres très beaux projets par rapport à tous ceux qui ont fait leur mint. Ok, donc sans plus tarder, une fois que vous êtes sur la page Twitter de Second Life, voici les deux liens qui sont présentés sur la page là pour pouvoir claim. Donc pour pouvoir claim, c'est que si je parle de claim, c'est-à-dire pour pouvoir réclamer, il va falloir auparavant avoir minté votre BAB token. Et votre BAB token sera situé à quel niveau? Le BAB token sera situé sur votre portefeuille DeFi. En l'occurrence, moi j'avais fait le couplage avec mon Trust Wallet sur Binance. Donc, du coup, avec ma phrase de récupération, j'ai pu récupérer, sinon que j'ai pu transporter cela sur MetaMask. Donc, déjà, vous allez voir que sur mon compte MetaMask, j'ai mes fonds qui sont là. Voilà. Parce qu'il faudrait avoir auparavant quand même quelques fonds sur votre Trust Wallet ou bien sur votre portefeuille DeFi par rapport aux frais de mint. Donc, une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez être redirigé sur la page de Second Life. Vous allez devoir relier votre portefeuille DeFi à Second Life. Et une fois que vous avez relié, voici, vous pouvez claim. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais juste cliquer sur claim. Mais avant de claim, vous allez devoir sign up, c'est-à-dire sign in plutôt, c'est-à-dire vous enregistrer. Donc, vous auriez le lien de l'enregistrement de cette page-là. Vous aurez le lien
dans la description de cette page pour pouvoir bénéficier d'autres bonus. Donc, qu'est-ce que tu fais une fois que tu es sur cette page? Il n'y a pas de complication. La seule chose à faire, c'est que dans un premier temps, avoir un compte Binance vérifié, avoir fait le mint de votre BAP token, avoir quand même couplé votre compte Binance à votre portefeuille DeFi. Une fois que le portefeuille DeFi est fait, tout cela se fait sur la BNB Smart Chain. Voilà. Donc, une fois que j'ai couplé cela, je viens, je clique sur Play. Vous allez voir, ça va s'afficher. Ils vont me prélever par rapport aux frais. Voilà, cela s'affiche. Je clique sur Confirmer. Voici les frais. Ils vont me prélever environ 0,00046 BNB. Puisque j'ai des BNB, je clique sur Claim. Voilà, je vais récupérer cela. Voilà, success, c'est bien fait. Je vais add à mon wallet. Voilà, j'ai eu 60 BIN. Je clique sur ajouter le jeton. Nous allons vérifier sur mon portefeuille si le jeton est bien là. Voilà, mes 60 BIN sont bel et bien là. Ok, ce n'est pas encore fini. Je vais venir claim mes BAP token NFT ici. Pardon, c'est pas encore fini. Je vais venir claim mes NFT. Sinon, mon NFT, je clique sur start. Voilà, BAP token holder. Je clique sur mint. Voilà, 0,003 BNB. Je clique sur confirmer. Ça, ce sont les gas fees par rapport au mint du NFT sur Second Life. Et voici mes NFT que j'ai eu. Voilà. Je clique sur check NFT et je viens voir dans ma collection. J'ai mes NFT. Pour le moment, la page ne s'affiche pas, mais voici un peu mes NFT. Et si je viens dans mon portefeuille, le mint est fait, vous allez voir cela apparaître dans mon portefeuille. Donc là, voici mes actifs. Une fois que ces actifs sont mintés, je vais aussi vous montrer cela pour ceux qui ont l'application. Vous voyez un peu, pour ceux qui ont l'application, je vais vous montrer comment cela va se passer. Actuellement, je ne connais pas trop la valeur marchande de ce token. Mais néanmoins, si vous avez une idée de cela, vous pouvez laisser cela en commentaire. Si vous avez déjà pu claim votre BIN, vous pouvez laisser cela en commentaire. Donc là, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez procéder via l'application pour ceux qui utilisent soit MetaMask, soit Trust Wallet et autres. Je vais venir sur mon application. Je viens sur mon téléphone. Je clique. Je vais ouvrir Trust Wallet. Voilà, j'active mon portefeuille. Donc, je vais aller dans les NFT. Je clique sur NFT. Et voici mes avatars qui sont là. Voilà, ce sont les trois NFT que j'ai pu réclamer. BAP Token Holder. On peut vérifier un peu. Voici un peu mes tokens. Voilà, si je veux voilà, vous montrer, c'est ERC-60 BNB Smart Chain. L'adresse du contrat, on peut vérifier, hein. L'adresse du contrat, je vais aller sur mes NFT, vous montrer un peu l'adresse du contrat. Voici l'adresse du contrat, ça commence par 09A, 09A, ça finit par 79. Donc déjà, vous allez voir que, voilà, ici, 09A, 79, voici, c'est les mêmes choses. Donc voici un peu, j'ai pu réclamer mes NFT. Donc, voici un peu quelques utilités du BAP token. Si vous avez votre compte vérifié, ne manquez pas ces occasions-là. Faites rapidement vérifier vos comptes Binance et profitez pour minter vos BAP tokens. Et là, vous aurez beaucoup d'autres opportunités pour pouvoir faire des claims, pour pouvoir véritablement réclamer quelques bonus NFT. Voilà. Ceci n'est en aucun cas un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches. Je vous partage cette vidéo à titre d'information. Alors, pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, faites-le et activez la cloche de notification pour être informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo aussi intéressante comme celle-ci. Et ensuite, laissez un gros pouce bleu qui donne de l'encouragement dans ce que nous faisons. Je vous remercie énormément. Surtout, restez scotchés à cette chaîne. Abonnez-vous aux différents canaux sociaux de Binance, Afrique francophone. Il y a toujours de bonnes nouvelles qui passent et ne manquez aucune information surtout. Sur ce, je vous remercie. Si vous avez des questions,
Vous pouvez les laisser en commentaire. Si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez cela en commentaire. Je vous répondrai dès que je vois les commentaires. Une fois de plus, si vous avez d'autres opportunités pour pouvoir meet ou bien pour pouvoir réclamer des bonus avec des BAB tokens, n'oubliez pas de mentionner cela en commentaire et nous pouvons sûrement faire une vidéo dessus ou bien avoir une discussion dessus sur mon groupe Telegram Smart Web Worker. Je vous remercie et à la très prochaine.